Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a esperar un momentico a que la gente se conecte. Y mientras tanto, los que ya están aquí, bienvenue. Bienvenidos y bueno, on commence la semaine 6. C'est le début de la semaine 6 et bon, bah. Bonjour, Melinda. Ok. Bonjour, Agustina. Estoy leyendo los mensajes que me llegan, así que. He visto a veces cuando vuelvo a ver el video que hay algunos mensajes que yo no leo, pero es porque pasan muy rápido y no alcanzo a leerlos. Bonjour Zamira, bonjour Nayadi, bonjour Stéphanie, bonjour Hector, Juliana, bonjour. Du coup, on commence la semaine 6 et cette semaine, nous changeons de thème. Bonjour Lady, bonjour Juliana, bonjour Juan Camilo, Marisela. Alors, ok, bah on va voir comment ça se passe. Bonjour Jody, bonjour Jenny, Gina, bonjour Luz Marina, José. Ok. Ok. Donc, aujourd'hui, on va faire deux choses. On va réviser ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vais compléter les informations que je vous avais données. Et on va commencer un nouveau thème. On va clore l'ancien thème et on va commencer un nouveau thème. Donc, c'est ce qu'on a dit. Bah, esta semana terminamos un tema, empezamos un tema nuevo. Bueno, entonces esta semana cerramos un close. Ahí viene la palabra close, closed en inglés. Y esta semana on commence un nuevo tema. Y voilà. Donc, on va commencer. Si Jen nos pone la presentación. Ok, 2 segundos. Ok, ya nos va a poner la presentación. Recuerden que nuestros cursos están en el blog curso de francés CNU por Colombia nos une, .blogspot.com. Ahí están todas las presentaciones que hemos hecho. Y están algunos ejercicios. ¿Ok? Donc, semaine 6 sur 24. Semaine 6 sur 24. Aujourd'hui, ce sera moi. Et jeudi, Alejandra revient des vacances. Recuerden que el jueves vuelve Alejandra de vacaciones. Y recuerden que los cursos quedan grabados en esta página de Facebook. Colombia nos une, donde pueden volver a ver todo el video y pueden ver todo lo que sucedió en el video. Y en la página de Colombia nos une, en la página donde está la información del curso, está cada vínculo para cada día de curso. ¿Ok? Donc, on va commencer par une révision. On va réviser les professions qu'on a vues la semaine dernière. On va réviser les professions que nous avons vues la semaine dernière. Donc, les sportifs qui ont représenté l'Amérique latine, quel nom pour ces sportifs? Ok, on a Julio Cruz qui vient de Cuba, Mariana Pajón qui vient de Colombie. Chrismelli Santana qui vient de la République dominicaine et Yasmine Camacho Quinn qui vient du Porto Rico.
Ok, donc, quel est le nom de la profession boxe, cyclisme, haltérophilie, athlétisme pour Julio, pour Mariana, pour Chris Mary et pour Jasmine? Et une deuxième information que je vais vous demander, quelle est la nationalité de Julio, quelle est la nationalité de Mariana, quelle est la nationalité de Chris Mary et quelle est la nationalité de Jasmine. Alors, je vous lis. Los leo. Los leo. A ver. Donc, je vois une bonne réponse. Alors, Julio boxe et il y a tac 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 Stéphanie qui nous propose boxeur. Est-ce que c'est la bonne réponse, Stéphanie? Alors, je vois pas les messages. Bonjour Carlos, bonjour Miguel, bonjour Adriana, Lady et tous les autres. Todos, no puedo leer todos los nombres, así que discúlpenme. Alors, donc, Julio. Personne ne propose d'autres réponses? Nadie más propone respuestas. Solo veo una respuesta. Je ne vois qu'une seule proposition de Stéphanie. Alors, Julio, boxe, Mariana, cyclisme, Crismeri, haltérophilie et Jasmine, athlétisme. Quel est le nom de la profession de ces personnes. Ok, je commence à avoir des réponses. Donc, rappelez-vous, c'est la profession, c'est l'occupation. Ok? Ah, je commence à avoir de bonnes réponses. Luz, Lissi, ah, très bien. Esther, très bien. Lady, très bien. Donc, Julio est boxeur. Boxeur. Recuerden esa E, c'est una E, con la vocale la U. Boxeur. Et la nationalité de Julio, c'est laquelle déjà? Quelle est la nationalité? Tac, tac, tac. Ok. Quelle est la nationalité de Julio? Oh là là. Yesenia, casi, casi, casi. Ay, ay, ay. Yo sé que no es fácil, pero les doy una pista. El nombre de la nacionalidad tiene la última letra del país, en este caso, porque recuerden que las nacionalidades son un poco arbitrarias. A ver, l'est-il presque? Ah, très bien, Kelly, très bien, Alexandre, très bien, Vilma, c'est cubain. Recuerden que hay una forma de hacer las nacionalidades que tiene una A, A-I-N, y como Cuba termina en A, entonces uno lo que hace es usar esa A para hacer la nacionalidad. Nationalité cubaine. La nacionalidad es femenino en francés, entonces uno diría la nacionalidad es cubana, pero él es cubano. ¿Okay? Eso sucede mucho, que uno a veces dice la nacionalidad y uno dice colombiano. Implica, yo soy colombiano, pero uno puede responder independientemente si es hombre o mujer o cómo se defina, puede decir colombien. ¿Por qué? Porque lo que te están preguntando es, ¿cuál es la nacionalidad? La nacionalidad es colombiana. Uno puede ser colombiano, pero su nacionalidad es colombiana. En este caso estoy preguntando, ¿Julio es cubano? Ok, Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. J'ai vu cicleuse. Oh, ay, ay. Ojo, Mariana la hemos visto muchas veces, así que no tienen excusa para decirme que no saben cómo se dice la profesión de Mariana.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'est difficile? Non, mais c'est facile, quand même. A ver, si veo buenas respuestas. Ah, très bien, Camila. Très bien, Stéphanie. Très bien, Lizzie. Très bien, Adriana. Très bien, Luz Cecilia, creo. Ok, Mariana est cycliste. Mariana est cycliste. Et Mariana est... Aïe, 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 lady. Aïe, aïe, aïe. Jenny, très bien. Rappelez-vous, en français, le pays, c'est la Colombie. La Colombie. Le nom du pays finit en E. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve ça pour faire la nationalité. Colombienne. Colombienne. Très bien. Crismeli Santana. Crismer, et attention, c'est une femme. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Mary. Tengo una prima que se llama Mary. Donc, Crismeli. Haltérophilie. Haltérophilie. Aïe, aïe, aïe. C'était quoi l'haltérophilie? C'est quoi ce sport? C'est quoi le sport de la haltérophilie? Ah, très bien, Valeria. Je vois que tu révises, Valeria. Valeria hace la tarea y ella repasa. Donc, Chris Mary et, comme dit Valeria, et comme dit Stéphanie, haltérophile. Et la nationalité está super facile, 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 facile. Très bien, Lou Cécile. Évidemment, le nom de sa nationalité est dans le nom du pays. El nombre de la nacionalidad está en el nombre del país, entonces es muy fácil. Dominicaine, parce que c'est la République dominicaine. Attention, quand c'est AI, c'est un seul N. Si c'est AI, il y a un, seulement un N. Si c'est N, par exemple colombienne, il y a deux fois N. Ok? Attention, c'est l'orthographe. Ok, este país tiene la nacionalidad incluida en el nombre del país, porque es la República Dominicana. Ok. Et finalement, Jasmine, elle pratique l'athlétisme. Quel est ça? Ah, très bien, je vois déjà des bonnes réponses. Kelly, très bien. Kelly, Jasmine pratique l'athlétisme, donc elle est athlète. Elle est athlète. Et la nationalité, on dit que Jasmine est... Jasmine est... Oh là là, je vois qu'il y a des gens qui révisent, hein? Je sais, no hemos visto todas las nacionalidades. No las hemos visto todas. Pero ustedes aprendan a hacer hipótesis. Ustedes hacen hipótesis, quizás se equivoquen, pero no es grave. Ustedes están aprendiendo. Es normal que se equivoquen. Pero pueden confirmar o decir, ah, yo traté eso, no funcionó. Voy a tratar con otra. Por ahí veo que hay varias personas que tienen la buena respuesta, puertorriqueña, sauf que, atención, c'est un seul mot, es una sola palabra. C'est un seul mot, puertorriqueña. Otra vez le repito, si el nombre de la nacionalidad tiene AI, hay una sola
EN. Si el nombre de la nacionalidad tiene EN, por ejemplo, colombiano para el masculino, el femenino tiene dos Ns. Si es EN, se dobla la N. Pero si es AI, hay una sola N. ¿Ok? Ok, très bien. Bon, juste pour rappeler, on avait dit pratiquer un sport. Synonyme de pratiquer un sport. Faire deux. Tu fais de la boxe? Attention, faire deux. Très important, deux. Tu pratiques la natation? Ou tu joues au basket? Jouer à. Fíjense bien porque en francés hay una cosa que no sucede en español y es que los verbos pueden tener o no una preposición asociada. Por ejemplo, el verbo pratiquer no tiene preposición. Ustedes pasan directamente de tu pratiques a la natación. ¿Ok? Más tarde vamos a ver ese tema, pero eso hace que un verbo sea directo. Ya imagino que algunos ya entendieron de qué estoy hablando. Hay otros verbos que necesitan una preposición. Por ejemplo, faire de, jouer a. Y eso hace que estos verbos sean indirectos. ¿Por qué? Porque uno no pasa del verbo a la cosa. Cuando digo la cosa, incluye el artículo, ¿eh? Uno no dice je fais la boxe. No. Ustedes lo pueden decir, la fabrican. No que practican el deporte. Por eso les digo, faire deux, c'est très important. Tiene entre mismo el verbo y la. En este caso, la box, uno dice que ese verbo es indirecto. ¿Okay? Ese tema es para el futuro, no es ya mismo. Pero van, ahí van viendo, si tiene una cosita pegada, como aquí un apéndice, es indirecto, y si no tiene apéndice, es directo. Ok. Différence. Aucune. Aucune. Es como hay cosas que en español uno puede decir dos formas diferentes, pero que significan exactamente la misma cosa. Uno hace un deporte, uno practica un deporte. Es lo mismo. Es simplemente que son formas, varias formas de decir la misma cosa. Diferencia no hay. Seule différence. Le verbe jouer ne s'applique pas à tout le sport. El verbo jouer no se aplica para todos los deportes. Es igual en español. Uno no puede decir yo juego a la natación. Uno no juega a la natación. Uno practica natación o uno hace natación. Pero uno no puede jugar a la natación. Es igual en francés. ¿Ok? Donc, on a parlé du verbe faire, mais on n'a pas vu la conjugaison du verbe faire. Donc, aujourd'hui, on va voir la conjugaison du verbe faire. Le verbe faire est irrégulier, ça veut dire qu'il ne conserve pas la même forme de base. Le verbe faire est irrégulier. Recuerden que yo les había dicho que los verbos irregulares no conservan la misma forma básica. Acuérdense que los verbos del primer grupo conservan exactamente la misma estructura para todas las personas en el presente. ¿Ok? Que hay variaciones de una L que se dobla o de una tilde que cambia de sentido. Eso no es grave. En los verbos irregulares. ¡Ah! Ok. Vamos a ver la conjugación y les voy a explicar por qué es irregular y les voy a mostrar un truquito con los irregulares que funciona en francés. Donc, c'est un verbe irrégulier et c'est le verbe de l'action. C'est le verbe pour réaliser quelque chose. OK? C'est un verbe très important et petite astuce. Il y a des mots qui commencent avec un F en français. Qui en espagnol commence avec un H. Donc, eso es porque en latín
El verbo tenía una F y en español algunas palabras que empezaban con F se mutaron, cambiaron y en español son con H. Por ejemplo, la harina es farina, como la cantante Farina, que se dice harina en italiano. Y en francés es simplemente le cambian la A por una E, pero es farina. Y el verbo faire viene del verbo faquere, que en español dio hacer. ¿Ok? Donc, le verbo faire. Je fais de la boxe. Tu fais de l'aviron. Il fait de l'athlétisme. Attention! Fait, fait, fait. Fait, fait, fait. Prononciation exactement égale. La prononciation est égale pour les trois personnes du singulier. Différence. Je finis avec un S. Tu finis avec un S. Il finit avec un T. Para que sepan. Casi, casi, casi. Digo casi porque me curo en salud, pero es un casi 95% de las veces. En français, le verbe irrégulier pour la première et la deuxième personne, c'est exactement la même conjugaison. Regardez, F-A-I-S, F-A-I-S. OK? Et chose curieuse, pour la première et la deuxième personne, la terminaison, ça peut être un S ou un X. Cosa curiosa, la mayoría de los verbos irregulares. Ojo, cuando digo irregulares es porque esta partecita antes de la S cambia según el verbo. Hay verbos que tienen una T, hay verbos que tienen una D, hay verbos que tienen una N. Entonces no es que esta partecita sea igual para todos los verbos irregulares, solo digo, para los verbos irregulares, casi siempre termina para je, termina en S, para tu, termina en S o en X. S o X. Cuando ustedes vean un verbo que termina en S o en X, con je, tu, es altamente probable que sea un verbo irregular. ¿Ok? Puede ser una S o puede ser una X. Et pour il, elle, la prononciation est égale, mais l'orthographe est différente. Ça peut être un T, ça peut être un D. ¿Ok? Para la tercera persona, generalmente es la misma forma de base que para je, tu, pero la terminación puede ser una T o una D. Puede. Digo, ahí quizás haya un verbo raro que. Incluso el verbo pintar, que es súper irregular y súper raro y súper complicado, termina en T. Entonces puede ser una T o una D. ¿Ok? Es lo más común. Por aquí me dice Laura como je veux. Je veux, tu veux, il veut. Je veux avec un X. Tu veux avec un X. Il veut avec un T. Puede significar que no todas las veces. Y yo me curo en salud porque yo no conozco toda la lengua francesa, a pesar de que hace más de 10 años vivo acá y que, bueno, casi 10 años, y que hace más de 15 años hablo francés. Pero la mayoría de las veces funciona. Sí, pouvoir est irrégulier. Pouvoir est hyper irrégulier. ¿Ok? Maintenant, nous, vous, il, el pluriel. Nous faisons du judo.
Vous faites, attention, faites. Ici, je ne prononce pas le T. Fait, il fait, mais vous faites. Pourquoi? Parce que S final qui ne se prononce pas, E final qui ne se prononce pas, obligatoirement, le T, je dois le prononcer. C'est une obligation. OK? Et ils font. Vous allez me dire, ah oui, mais F-A-I, 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 F-A-I. Dans le verbe faire, oui, mais il y a des verbes où ça ne marche pas. Par exemple, le verbe peindre. Oh, le verbe peindre, c'est tellement rare, c'est bizarre, c'est compliqué. Le verbe pintar est le plus compliqué parce que je peins. Tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, il peigne. Et además, le verbe peindre tiene una D en l'infinitif, pero cuando no lo conjuga, tiene una T. C'est une cosa super irregular. Pero attention, rappelez-vous, la terminaison de nous, c'est O-N-S. Et ça, c'est para todos los verbos. Nous, c'est toujours O-N-S. NS. Donc, la forme de faire, la forme de faire, c'est F-A-I-S plus la terminaison O-N-S. Du coup, c'est bizarre, c'est irrégulier. Et pour vous, c'est F-A-I-T et E-S. Rappelez-vous que je vous avais dit, il y a trois et seulement trois verbes pour lesquels vous ne finissez pas en EZ. Premier verbe, être, vous êtes. Deuxième verbe, faire, vous faites. Et le tercero, lo vemos después. Okay? Le troisième, on le voit après. Donc, forme de vous, c'est F-A-I-T. Et forme de il pluriel, c'est F. F, tout seul. F. Et c'est O-N-T. Du coup, c'est un verbe qui n'a pas de régularité. C'est irrégulier, hein? Et qui c'est bizarre. Il faut l'apprendre par cœur. Bon, par cœur. Recuerde qu'en français, l'expression par cœur, comme en anglais, by heart, significa de memoria. Hay que aprendérselo en el corazón, porque bueno, los griegos creían que la memoria está en el corazón o algo así. Es el chiste. Ok, donc, verbe faire, c'est un verbe irrégulier. Rebonjour. Hola, qué pena con ustedes. Hay, debe haber un problema con internet, con el, los servidores, porque para nosotros la señal es fluida, pero quizás es Facebook que tiene algún problema porque no, normalmente tengo internet. Entonces, quizás sea un problema de Facebook. Qué pena con ustedes. Vamos a ver. Voy a ver si Speed Test funciona. Vamos a esperar a que se una más gente, ya que la transmisión se cayó como tal, y como estamos nuevamente en transmisión, o sea, en otra transmisión diferente, vamos a esperar a que más gente se una, pues para que tú puedas comenzar las clases. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a esperar un poco que llegue la gente. Me llegan mensajes de... Oui, on est de retour. Ok, tac, tac, tac. Debe ser que hay algún problema del servidor de Facebook, porque la transmisión se cortó. Quizás hay problemas de Facebook. Ok, bueno,
Me dicen en qué se cortó el video, dónde se cortó el video para retomar. Cuéntenme, así vuelvo a explicar si necesitan que vuelva a explicar. Vuelvo a explicar faire du. Bueno, vuelvo a explicar faire du. Donc. Ah, recuérdense que habíamos dicho: faire solito es hacer. Mais pratiquer, c'est faire de. ¿Ok? Problème: on fait de la voile, on fait de la boxe, on fait de le basket. OK? En français comme en espagnol, de et le, de et la, de et l'apostrophe peuvent avoir des problèmes. De, le, comme en espagnol, on de y el se unen en del. Y habíamos dicho que piensen que en francés, como si hubiera de E L, que la L se convirtió en una U, como hemos visto que sucede en otros contextos, y que la E se perdió. Y ahí dicen, ah, esa U puede ser una L en español. Entonces es del, du. Faire du, je sais pas, du waterpolo. Ah, oui, parce que le W, ce n'est pas une voyelle, attention. La W no es una vocal en francés. La W es considerada una consonante. Donc, faire de la, c'est faire de la. Et faire de l'aviron, par exemple, c'est faire de l'aviron. Ça ne change pas. OK. Je vous disais, comme ça, on déclare clos le thème de. Se présente, se faire connaître, se faire connaître. C'est fini. Connaître, se faire connaître. OK? Terminons connaître et se faire connaître. Et aujourd'hui, on commence le thème l'espace. On va commencer l'espace géographique. On va la lecture de cartes, par exemple, une carte de la ville. Du centre-ville. Une carte, c'est un dessin. C'est un dibujo de la ciudad. Ou un mapa. On va parler de destination, on va parler de provenance et on va commencer à voir des thèmes de l'espace. OK? Et je vous avais dit, on va commencer les thèmes en parlant d'un espace géographique, mais aussi un espace imaginaire. Ce deux buts, deux objectifs. On va lire la lecture et on va connaître une information culturelle. Ok, donc, Jen, podemos pasar en pantalla grande, por favor? Donc, on va faire une petite lecture. Je vous donne 30 secondes pour lire. Pour réviser la connaissance des combinaisons, et puis je lis. Les 30 segundos. Para que revisen, miren el texto. Para que se acuerden de todas esas reglitas de qué se pronuncia, qué no se pronuncia y las combinaciones, y luego yo leo. ¿Ok? 30 segundos. 30 segundos. Ok, donc,
voy a leer y cada uno en su casa va a decir, ah, sí, esa regla yo me acordaba. O, ah, tengo que volver a revisar esa regla. Ok. Donc, Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière sans Paris. Donc, es lo que pasa en los países centralizados. La gente de la capital piensa que el país es la capital y que el resto, bueno, sucede mucho en los países súper centralizados. Lo que no sucede, por ejemplo, en Alemania, que es un país muy federal. Donc, Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière sans Paris. Imagino que entendieron el sentido del texto. Ok? Donc, la province et la Provence. Donc, ça c'est la France, ça c'est Paris, ça c'est la province. Ok? La Provence, ça c'est la France, ça c'est la région de Paris, c'est la région Île-de-France, d'où est Paris. Es este espacito en el mapa. Y esa es la Provence, 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 Provence. ¿Qué diferencia? Ah la la. Provence. Y si vous voyez, c'est un nasal. Y si vous voyez, c'est un a nasal. Les deux. Esto ya lo habíamos visto, esto es un repaso. ¿Eh? Donc, les sons on, un et un sont les voyelles nasales. Vous savez qu'en français, il y a des voyelles qui sont avec le nez. Ok? Il y a on. On, c'est facile, c'est o, 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 n, 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 n. Il y a un, un et un, un. Un, un, un. On, on, vont, son, don, profession. Todas esas palabras terminan en un nasal. ¿Ok? Y es como una O abiertica con este simbolito, como el de la ñ, la virgulilla, que en fonética significa con la nariz. Il y a les sons un, un, un. Qu'est-ce que c'est? C'est a, a, a. La a avec le nez. Orthographiquement, ça s'est fait a, n, e, n, mais aussi a, m, e, m. Donc, un, vingt, cent, main. France. Ah, es como si dijeran an,
Van sans man France. Différence? Vous devez faire jouer le nez comme si tu étais un grippin. Un, il y a deux possibilités. Rappelez-vous. Soit vous faites un. Recuerden que esta OE es como cuando dice ¿Qué me está diciendo este man? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Eh? Ese sonido ¿eh? Es esto, sin la nasal. Bueno, con la nasal, sí. Posibilité, rappelez-vous, yo les dije, en el sur de Francia hacen esa diferencia. Vin, sain, main, matin. Miren que yo no digo matin, yo digo matin. Différence. Para hacer una A, uno tiene que bajar toda la barbilla para poder hacer la boca que haga el buen sonido. El otro sonido no, se queda arriba. Cuando uno habla rápido no ve la diferencia, pero créanme, es muy fácil y sobre todo si ustedes conocen la ortografía y como ustedes hablan español, entonces es muchísimo más fácil y cometen menos errores que los franceses. Por ejemplo, provincia, provincia es la misma palabra, la provincia, una palabra un poco despectiva. Y esta palabra en Medellín. Hay una zona por Envigado, creo que se llama Provenza. Y es los que vivimos en Medellín, por eso sabemos, porque es exactamente, es el nombre de esta región en español, es Provenza. Entonces, provincia, Provenza, Provence, provincia, Provence, Provenza. Ok, ¿es que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin de plus d'explications ou c'est clair? Ok, je vois que c'est clair, personne ne répond, du coup j'imagine que c'est clair. Ok, très bien. L'espace, on va parler de son pays. On va parler de présenter son pays. Donc, petite activité. Regardez la vidéo. Répondez aux questions suivantes. Dans quel ordre sont présentés les objets suivants? Attention, je veux savoir l'ordre. Comment ils sont ordonnés? Dans quel séquençage? OK? Il y a, on va parler de drapeau. On va parler d'éventail et vent. Ventail, on va parler de château et on va parler de théière. Ok, le drapeau par exemple, ça c'est le drapeau de l'Italie, je crois. Pero no vamos a hablar de Italia en esta secuencia, solo que escogí un drapeau que no tuviera nada que ver con lo que vamos a ver. L'éventail, c'est cet objet qu'on utilise surtout en Espagne et en Orient, Japon, Chine. Les châteaux, c'est cette édification. OK. Et la théière, thé. Faire du thé dans la théière. OK. Donc, on va voir une vidéo. Dans la vidéo, il y a quelques nationalités. De quel pays viennent les personnes qui interviennent dans la vidéo? D'Espagne, de France, des États-Unis, de Madagascar, du Vietnam, de Roumanie, d'Algérie, d'Angleterre, du Mexique, du Portugal, du Nigeria ou d'Australie. OK? Il y a au moins cinq ou six nationalités à peu près. OK? Vous allez me dire de quel pays viennent ces personnes?
Donc, on va regarder une vidéo qui s'appelle Nos origines. On va faire juste un petit moment. Descuadramos la técnica para ver el video porque no pude integrarlo, porque no está en YouTube. Entonces, vamos a ver el video. Ok. Vous devez rappelez-vous dans quel ordre sont présentés les quatre objets. Le drapeau, l'éventail, la théière. Et l'autre, je me rappelle plus, c'était le château. Ok. 2 secondes mientras. Cuadramos. Ok. Bien, aujourd'hui, on parle de vos origines. Qui a apporté des objets, Samy? Ça, c'est une théière algérienne et je l'ai ramenée parce que je suis algérien. Et ça, c'est une rose des sables qui vient du Sahara. Moi, c'est Rosie. Et moi, c'est Hélène. On est des jumelles et nous sommes anglaises. Et voici ma petite sœur qui s'appelle Charlotte. Elle a 7 ans. Et mon petit chien Molly. Je suis australienne française et ma mère, elle est australienne. Donc voici le drapeau australien. Et il y a aussi un jeu australien. C'est un peu comme pile ou face. Alors ça, c'est un éventail espagnol. Et je suis espagnole par ma mère. Et puis ça, c'est une robe typique espagnole en rouge. Mais il y en a aussi des noirs et des roses. Ça, c'est un instrument de musique algérien qui s'appelle un derbouka. Et ça se joue comme ça. Je suis algérien par mes parents. Ça, c'est le drapeau de Saint-Malo, ma ville natale, parce que je suis française du côté de mon papa. Et toi, Petrou, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine roumaine et mon objet, c'est le château de Dracula, mais c'est impossible de l'apporter. Alors, je vous écoute. Dans quel ordre sont présentés les objets? ¿En qué orden se presentan los objetos? Je vous lis. No veo movimiento en el chat. A ver, respondan pues. D'abord, les objets. Les objets. ¿Ok? Alors, Liliana, je vois que Liliana, elle est au taquet, elle est bien. Il y a une théière, puis un drapeau, puis un éventail, puis un château. Attention à l'orthographe des châteaux. Aïe, aïe, aïe. Donc,
théière. Oui, et les garçons, il vient d'Algérie. Puis il y a le drapeau, puis il y a l'éventail, puis il y a le drapeau à nouveau, puis il y a le château. Ustedes cayeron un poquito en la trampa porque hay dos drapeaux. Hay dos, y se habla de dos drapeaux. Le premier drapeau, c'est de quel pays? Et le deuxième drapeau, c'est de quelle ville? Le premier drapeau, c'est de quel pays? Théière, drapeau, éventail, château. Ok. Premier drapeau, très bien, Luz, c'est le drapeau d'Australie. Et le deuxième drapeau, le deuxième. Ah, ojo, esto es muy francés. Ellos no cuentan así, ellos cuentan así. Formation culturelle. Hein. Premier drapeau d'une ville française, très bien, Liliane, de la ville de. Ah non, le premier drapeau, c'est pas de la France. C'était le drapeau d'Australie. Ah, Byron, je vois que conoces Byron, qui est en Bretagne, mais non le drapeau de Bretagne. C'était le drapeau d'une ville, comme dit Liliane. Très bien, Liliane, Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une ville au nord de la Bretagne. Une région qui se llama la Bretagne. Cuyas fronteras son muy disputadas hoy en día porque hay un departamento que no está, pero que debía estar, pero que una gente no quiere que esté, pero eso es otro tema. Y hay una ciudad en esa región que se llama Saint-Malo. Es una ciudad muy bonita, una ciudad amurallada que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que fue reconstruida. Y que es muy, muy, muy bonita. Si no me equivoco, Camila la conoce. Donc, il y a la théière, le drapeau, il y a théière, drapeau, château, à la fin le château, et il y a l'éventail. Donc, théière, drapeau, éventail, drapeau, château. Donc, c'est présenté en 5 objets, uno repetido. Ok. Quelles sont les nationalités des personnes qui se présentent? Quelles sont les nationalités des personnes qui se présentent? ¿Cuáles son esas nacionalidades? A ver. Pero recuerden que yo les puse diferente. La première personne vient de. Ok? La première personne vient de. La première personne, il est algérien, oui, mais il vient d'Algérie. Il vient d'Algérie. La deuxième personne, elle vient de. Les deux filles, les jumelles. Les deux filles jumelles. Que reconocieron. Yo sé que les quité los subtítulos para que escucharan y reconocieran. Si no reconocieron, no hay ningún problema. Recuerden que estamos aprendiendo. La idea es hacer esforzarse y luego vamos a ver cuáles son. Pero hagan el ejercicio. Il y a une personne qui vient de France, une personne qui vient d'Australie, il y a une personne qui vient d'Espagne, il y a deux personnes qui viennent d'Algérie. Ah, et il y a deux personnes qui viennent d'Angleterre. Ok, on va revoir la vidéo. Je vais mettre les sous-titres et on va voir d'où viennent ces personnes. Vamos a volver a ver el video. Esta vez voy a poner los subtítulos y vamos a ver de dónde vienen estas personas. Ok. Ok, je lance la vidéo. Ok.
Bien, aujourd'hui, on parle de vos origines. Qui a apporté des objets, Samy? Ça, c'est une théière algérienne et je l'ai ramenée parce que je suis algérien. Et ça, c'est une rose des sables qui vient du Sahara. Moi, c'est Rosie. Et moi, c'est Hélène. On est des jumelles et nous sommes anglaises. Et voici ma petite sœur qui s'appelle Charlotte. Elle a 7 ans. Et mon petit chien, Molly. Je suis australienne française et ma mère, elle est australienne. Donc voici le drapeau australien. Et il y a aussi un jeu australien. C'est un peu comme pile ou face. Alors ça, c'est un éventail espagnol. Et je suis espagnole par ma mère. Et puis ça, c'est une robe typique espagnole. En rouge. Mais il y en a aussi des noirs et des roses. Ça, c'est un instrument de musique algérien qui s'appelle un derbouka. Et ça se joue comme ça. Je suis algérien par mes parents. Ça, c'est le drapeau de Saint-Malo, ma ville natale, parce que je suis française du côté de mon papa. Et toi, Petrou, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine roumaine et mon objet, c'est le château de Dracula. Mais c'est impossible de l'apporter. Ok, très bien. Donc, habíamos visto el castillo, habíamos visto todo esto. ¿D'où viennent les personnes? Ils viennent d'où? D'où viennent les personnes? Alors, je vous lis. Il y a une personne qui vient de France. Il y a une personne qui... Non, il y a deux personnes qui viennent d'Algérie, pardon. Deux personnes qui sont franco quelque chose. Il y a deux personnes qui viennent d'Angleterre. On va présenter. Ok. Podemos presentar la pantalla, por favor. Donc, les objets. D'abord la théière, puis les drapeaux, puis l'éventail, puis les drapeaux, puis les châteaux. De quel pays viennent les personnes? Elles viennent d'Espagne, de France, de Roumanie, d'Algérie, d'Angleterre et d'Australie. Ok? Se los pregunté de forma diferente. Ellos dicen, je suis algérien, je suis française, je suis australienne. Ok, ça c'est une façon de le dire. Mais il y a une deuxième façon de le dire, c'est je viens d'Espagne, je viens de France, je viens de Roumanie, je viens... Voilà. Ça c'est deux possibilités. Pueden decir sus orígenes de dos formas diferentes. Je suis, ça c'est une identification, et je viens de, ça c'est la provenance. Ok. Alors maintenant, vous reconnaissez ce verbe? Est-ce que vous reconnaissez ce verbe? ¿Reconocen este verbo? Este verbo es muy, muy fácil. ¿De qué país vienen las personas? ¿Sé qué verbo? ¿Qué verbo es? A ver, los escucho. Ok, es el verbo venir, como dijo José. Très bien. Pilar, très bien. Esther, Maria, très bien. C'est le verbe venir. C'est exactement pareil en espagnol. Venir. Venir. Es una palabra transparente. Ok?
Attention, comme en espagnol, on peut dire venir de. Mais il y a un petit truc, il y a un petit problème. Ojo Luis, no es el verbo aller, es el contrario, es el verbo venir. César, ¿se puede decir je viens de cuando se vive en un país que no era mi nacionalidad? Depende, si tú quieres decir tu origen o si quieres decir la proveniencia física. Por ejemplo, estabas de vacaciones en Grecia. Entonces puedes decir, ah, oui, je viens de Grèce, là. Pero tienes que dejar muy en claro que es de viaje y no de origen de nacionalidad. Entonces, il y a un petit truc avec le verbe venir, venir de. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi ce petit truc avec le verbe venir de? Rosie et Hélène viennent d'Angleterre, Petru vient de Roumanie, Roberto vient de Cuba, Frederica vient des Pays-Bas. Quelle est la particularité de venir de? Venir de. Qui peut me dire? Il y a un truc bizarre, non? No estoy hablando del verbo venir en sí. Estoy hablando de cuando se acompaña de de. Quand le verbe venir est accompagné de la préposition de, il y a un truc bizarre qui se passe. D'Angleterre, de Roumanie, de Cuba, des Pays-Bas. Mais pourquoi venir d'Angleterre, venir de Roumanie, venir de Pays-Bas, venir du Vietnam? Quelle est la particularité de venir de? Si es venir de un país, pero lo que me importa es de. Après de, qu'est-ce qu'il y a après de? ¿Qué hay después de de? Después de de, hay algo. ¿Qué será? Dígame, ¿cómo funciona ese de? Il change, oui, Margot. Il change. Por ahí empiezo a ver buenas respuestas. Pluriel de. Si le pays est pluriel, on dit de. Très bien. Si le pays commence par une voyelle, très bien, je vois un truc. Il y a un truc masculin-féminin. Oui, Luis Felipe, il y a un truc masculin-féminin. Ruth, très bien. Attention, je viens avec un S. Recuerden que yo les había dicho, je, cuando tengan je y tengan un verbo irregular como venir, venir es très irrégulier. Generalmente, si es je, el final del verbo es una S. Y si es te, es él o ella. ¿Ok? De plus voyelle, de plus consonne, oui, plus ou moins, de pluriel. Je suis d'accord avec Margot et avec Luis Felipe. Il y a un truc avec masculin, féminin. Il y a un truc avec le masculin et féminin. C'est quoi avec masculin et féminin? Masculin, féminin, voyelle. C'est quoi la chose? Quelle est la règle? Dites-moi, quelle est la règle? Bueno, quiero que me digan cuál es la regla. Esther Araquemeneses, très bien, je viens.
Esa es la conjugación de je viens. Muy bien. De pays masculino. Depende du pays. Ça dépend du pays. Oh là là, mais c'est facile. Angleterre, Roumanie, Cuba, Pays-Bas, du Vietnam. ¿Se acuerdan? Aïe, aïe, aïe. Donc, première règle, la plus facile. Ah, Margot, très bien. Donc, première règle, si le nom de pays commence par voyelle, c'est vient de apostrophe. Ok? Très bien, José Fernando. Qu'est-ce qui se passe? Roumanie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Roumanie? Ah, très bien, Souleyma. Roumanie, c'est féminin. Ça finit par E. La Roumanie. Donc, vient de Roumanie. Qu'est-ce qui se passe avec Cuba? Très bien, Margot. Si c'est masculin, le Vietnam, du Vietnam. Oh là là. Hoy está nublado el clima, así que hoy no tenemos sol. Se está poniendo oscuro rápido. Pays-Bas. Donc, venir de apostrophe, pays commençant par voyelle. Ça, c'est clair. Venir de un pays féminin ou un pays sans article. Parce que Cuba, c'est un pays sans article. On ne dit pas la Cuba ni le Cuba. On dit Cuba, comme Madagascar, par exemple. Si c'est masculin, on dit venir du, par exemple, venir du Paraguay, venir du Venezuela, venir du Mozambique, par exemple. Et venir des, si le pays est pluriel. Les Pays-Bas, c'est pas le ni la Pays-Bas, c'est les pluriel, Pays-Bas. Les États-Unis. Ok. ¿Por qué les hago este caso especial? Porque este es un caso raro. Normalmente, si es más femenino, tiene de la, y si es masculino, tiene du. Salvo que esta forma es tan rara que tiene para los femeninos una forma que no incluye el artículo. Para los que empiezan por vocal, no incluye tampoco el artículo. Ok. Y para los que son masculino sí lo incluye en el du, porque el du es, recuerden, es de, le, la contracción. Y si es plural, de, le, la contracción de. ¿Ok? Por eso les hago un, y se los digo explícitamente. Este caso es especial y se los hago explícito porque es una forma especial. Normalmente tienen de la, du, de. Pero en este caso, féminin, de ou de apostrophe, masculin du, si c'est un masculin qui commence par consonne, et pluriel des. Ok, on en profite. Y aprovecho pour le verbe venir. On a vu le verbe faire aujourd'hui. On va voir aussi le verbe venir. Bon, je vous lis. ¿Cómo se conjuga el verbo venir? Yo sé que no se lo saben, espero que no mutrichez pas, hein? Vous cherchez pas sur internet, no van a buscar en internet. Denme hipótesis de cómo se conjuga este verbo. A ver, los leo. Y yo ya les dije al principio, je es. Eso debería, o sea, debería vous mettre la puce à l'oreille. Debería darles una idea. Los leo. ¿Cómo se conjuga venir? Allez. ¿Cómo se conjuga? Esther,
Très bien. Je viens, est-ce à la fin? Tu viens, est-ce à la fin? Il vient, t'es à la fin. Attention, María Eugenia. Tú escuchas bien y tú estás escribiendo bien. Pero recuerda que en puede escribirse en. Attention. Je viens, il, elle vient. Ok, donc. Hay unos que pusieron muy bien el verbo venir con las formas que no hemos visto y hay otros que se equivocaron, pero no importa. Aquí no importa equivocarse, aquí importa es ver dónde se equivocaron y corregirlo. ¿Ok? Donc, je viens, je, avec un S à la fin, et la forme c'est V-I-E-N-S. Tu viens... Il, elle, on vient. Je s, tu s, il, elle, on t. Ça, c'est quelque chose de très répétitif dans les verbes irréguliers. Eso se repite mucho en los verbos irregulares. S, s ou x, x, t ou d. Ok? Nous venons. Ah! Nous venons, vous venez, comme venir, venir, venons, venez, et ils viennent. Comme les dis, los verbos irregulares son irregulares. En este caso, vient, 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 viennent. Donc, seulement il, elle, pluriel, double le N. Seulement il, elle, pluriel, double le N. Je, tu, il, nous, vous, non. Seulement il, elle, pluriel. Première chose. Deuxième chose. Viens, viens, viens. Je, tu, il. Venons, venez. Viennent. Ok? Este es. Aquí ven que los irregulares son complicados porque no siguen una regla única. Hay como tres o cuatro formas de irregulares que tienen la misma forma para estos tres, la misma para estos dos y una forma diferente para esto. Hay verbos irregulares que tienen la misma forma para estos tres y para este. Y hay verbos irregulares que tienen la misma forma para estos tres y la misma forma para estos tres. Por eso son irregulares. Y como les digo, los verbos irregulares, par cœur. Ok, ok. Donc... On va pratiquer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Venir de. Erika, Colombie. Anastasia et moi, nous, Estonie. Toi, Arnaud, tu, Madagascar. Je, Japon. Mi et toi, vous, Vietnam. Jacques et Sandy, Philippines. Alors, venir de. Comment on fait les formes venir de pour ces personnes? Je vous lis. A ver, ¿cómo es? Lo leo. Je vois une très bonne réponse de Juliana. Très bien. Lizzie, très bien. Ah, Ruth, attention. Venir de, attention. Jenny, très bien.
José, très bien. César, très bien. Erika vient de Colombie. Pourquoi de Colombie? Parce que c'est la Colombie, c'est féminin. Attention, bon. Anastasia et moi, nous. Et c'est moi et Ijo. Veo que Esther tiene una buena respuesta. Anastasia et moi. Et c'est moi et Joe. Uno dice Ijo. Très bien, Jenny. Très bien, Margot. Lissi. Ah oui, ah non, no había leído bien. Margot, oh, attention, Margot. Là, je vois Daniela, très bien. José Fernando, très bien. Nubia, très bien. Pourquoi Estonie commence par voyelle? Donc, venons d'Estonie. Nous venons d'Estonie. Toi, Arnaud, tu viens. Très bien, Margot. Margot, elle dit, tu viens de Madagascar. Madagascar n'est pas féminin. Madagascar finit en R. Madagascar n'est pas une exception de masculin-féminin. Non, Madagascar est une exception parce que Madagascar n'a pas d'article. C'est comme Cuba. Cuba, Madagascar, il n'y a pas d'article. No hay artículo en Madagascar, entonces no es, ni masculino, no es masculino, o sea, quizás sí, pero no tiene el artículo le Madagascar. Uno no dice le Madagascar, uno dice Madagascar. Yo, bueno, lo voy a tener que terminar rápido porque son las y media y se nos acabó el tiempo. Je viens de Japón, oui, sûr. Ah, Jenny, je viens du Japón parce que c'est le Japón. Attention, vous venez du Vietnam. Rappelez-vous, le Vietnam. Vous venez du Vietnam. Et finalement, Jack et Sandy viennent des Philippines, parce que c'est les Philippines. Ok les gens, merci beaucoup d'avoir assisté à notre cours d'aujourd'hui. C'est la fin du cours. On se voit mardi prochain. Je suis désolé de finir comme ça, mais bon, on a eu des problèmes techniques. Qué pena con ustedes que terminemos así. Hubo problemas técnicos, desafortunadamente. Pero vimos un concepto muy importante que es venir de los verbos irregulares. Y nos vemos el próximo martes porque nuestra profesora ya volvió de vacaciones, así que la van a ver el jueves. Bon, bonne semaine, à la prochaine, salut!